Que notre nouvelle constitution soit parfaite, je crains que non. Qu'elle soit meilleure et plus adaptée à notre vie nationale, je le crois. Mais je suis convaincu qu'elle contribue à affirmer l'union nationale pour l'avenir. Ensemble, nous en ferons l'expérience. Ensemble, nous préserverons notre intérêt vital et nous verrons s'épanouir notre prospérité économique. Mon propos était de m'adresser à vous dans le langage simple et sincère qui vient du cœur, car je crois finalement que l'on gouverne la principauté avec son cœur. Parfois difficile que vous accomplirez en ces murs, souvent au détriment de votre vie personnelle ou de famille, vous comble de l'humble mais noble satisfaction que procure le sentiment du devoir accompli.